Oh là, calmons, El Chavarro! Ouh, calmons, Ubisoft! Ubisoft, bref. Blague de merde. Donc, bonjour le monde, ici c'est Inoubiou et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Let's Play de Assassin's Creed 3. Assassin's Creed. Pas de truc 3, quoi. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer la quête principale. Et dégage du cheval, connard! Connard, ouais. T'as peur d'un cheval? Espèce d'indien pacotille! Voilà, c'est ça. Donc, on va continuer Now, la quête principale. Tout à fait. Okay. Ouais, attends-moi ici, je fais tout, moi. Moi, je suis un gueudin. Atteignez le bâtiment de sommet de la falaise. Ok, ouais, il attend vraiment ici, lui, d'accord, ok. C'est moi qui fais tout le boulot, hein. Comme d'habitude. Donc, aujourd'hui. Journée assassinat. Oh yeah! Ça faisait longtemps ça. Longtemps, c'est un peu le but du jeu, je vous le dis. C'est Assassin's Creed 3, c'est pas randonnée pédestre 3. Hein. Pas randonnée pédestre simulator. Oh merde, un ours. Un ours, merde, merde, saloperie! Saloperie d'ours! Tiens, dans ton cul! Crève, Sharon, mais crève! Bordel! Ah oui, en plus il faut le dépecer parce que sinon ils sont pas contents les dieux des Ratanakedon. T'as la tête dans le cul de l'ours, voilà, c'est pour dire. Moi, il y a un ours dans l'eau. Moi, si, il y a un ours presque dans l'eau. Je me casse. Oui, vas-y, vas-y, pêche, tu veux. Pêche, moi je t'en empêche pas. Pêche, je suis drôle. Riez, bordel. Voilà, merci. Je sais qu'il y en a un d'entre vous qui a rigolé, et je suis content de ça. J'en suis heureux. Bref, il faut monter maintenant. Monter, monter, monter. Et à part d'elle. Ah bah, au bout d'un moment, il fallait qu'il tombe. Alors, tu peux monter là, mais pas là. Ok. Tu me dis où tu peux monter, connard, hein? Connard, pardon. Je me trompe tout le temps. Ok. Donc à 200 mètres plus loin, tu pouvais pas, c'est ça? Je t'emmerde, connard! Voilà, dit, c'est fait. Non mais, connard, rien. Attends. Ah, quelque chose là-bas. J'entends comme un coffre pas loin, mais je sais pas où. Et c'est moche de près, t'es sûr, là, bordel? Bordel? Il est par là. Non, pas par là. Voilà. Par là. Ah, c'est des plumes. Ah, t'as encore des plumes, quoi. Assassin's Creed collectait des plumes. Voilà. Passion plume, quoi. C'est débile. Bref. Faut monter, là. Non, 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 non. Chaque fois, je flippe. Non, pas là, ici. Bah, tu peux monter ici. Oui, bien. Voilà. Non, tu veux pas aller vers l'arbre, évidemment. Hein. J'ai l'impression qu'ils étaient sûrs, en fait, ils ont pas pensé qu'on pouvait passer par là. Ils ont pensé, ouais, non, ils pensent qu'ils passeraient jamais par là. Ils sont pas débiles. C'est moi, je suis débile, monsieur. Ich bin so débile. Tu ne me vois pas! Tu es dans les couilles! Pum pum! Ouais! Voilà. C'est drôle quand ils rebondissent. C'est drôle. Bref. Là, il y a un mec pas loin. Je sais pas. Ah, ici. Bonjour, monsieur! Oh, coup de pied! Commencez pas très très bien. C'est pas très, très gentil, connard, ça. Oh, ça non. Ok, il parle loin et ça fait comme si connard entendait. Si tu veux. Personnellement, j'entends rien. Hein. Ça c'est personnel après. Hein. Je peux pas contredire. Hein. Avant de là. D'autres veulent vous trahir et vous manipuler.
On est à 60 mètres, on s'entend. Le bordel. Allez, fougère, fougère, fougère. Ah, voilà. Allons, du calme. N'ai-je pas toujours été de votre côté? N'ai-je pas toujours cherché à vous protéger? Ça pue l'embrouille. Si tu veux nous protéger, donne-nous des armes, des chevaux et des mousquets pour nous défendre. La guerre ne résoudra rien. Nous n'avons pas oublié Stanwix, ni la modification des frontières. Aujourd'hui encore, tes hommes creusent la terre sans se soucier de ceux qui y vivent. Mm-hmm. Tes paroles sont douces, mais fausses. Nous ne sommes pas venus négocier ni vendre. Nous sommes venus te dire de quitter ces terres. Très bien. Je vous ai offert la paix. Ouais. Et vous l'avez repoussée. Peut-être la violence saura-t-elle vous convaincre. C'est pas très très gentil tout ça. Tu nous menaces? Non, 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 je crois pas. Non, 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 je crois qu'il a juste envie de faire jojo. Bonjour, je suis discret. Vous avez envoyé l'un des vôtres pour me tuer. Je suis discret, bonjour. Lol. Ouais, je vais pas envie de faire de la discrétion. Rien à foutre. Attends. Voilà, ta gueule. Oh putain, ils ont tué tous les Indiens. Sa race, quoi. Ouais, en fait, la discrétion, ça rendait pas mal, en fait. Je dis ça après coup, oui, c'est sûr. Bon. C'est quoi, ça? Ah, une bombe, d'accord. J'allais la ramasser, mais non. Valait mieux pas. Ouais, ta gueule. Oh, double gueule. Triple gueule. Quadruple, presque gueule. Ta gueule. Voilà. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Non, disons des bombes partout, quoi. Ta gueule. Ta gueule. Non, il est mort par une baffe, quoi. Une baffe l'a tué, quoi. Mais connard, putain. Bon, bah. Discrétion, hein. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Mais pourquoi il y a autant de mecs qui n'avaient pas autant tout à l'heure? C'est quoi ce Beans? Bon, je sais pas du tout où elle est là. Mon dieu! Je crois qu'ils avaient commencé à se battre, c'est pour ça que je me suis précipité, mais en fait c'était pas trop le bon truc. Bon. Je pense qu'il aura fallu aller sur la maison, je pense. Signez cet accord, vous d'autres périront. Non, vous voyez pas, vous voyez pas, vous voyez pas, vous voyez pas. Vous ne me voyez pas, la 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 la. Ah. Et tac! Pompon dans la lulu! Tac! Ça fait mal, hein! Oh non! Mais qu'as-tu fait? J'ai fait échouer tes plans. Ouais! Tu voulais ces terres pour les donner aux Templiers. Oh ouais! Afin de les protéger. Mon cul, ouais! Mon tu cul sur la commande en bois de Tata Monique! Le sort qui attend les indiens. Ah ah! T'as pas vu celle-là, hein? Ou que les citadins s'intéressent aux tribus indiennes? Oh, bien sûr! Les colons sont ravis de commercer avec elles. Oui, bien sûr. Quand ils ont besoin de nourriture. Ou encore de vivre pour leurs armées. Mais quand la ville sera trop petite. Et que les champs ne suffiront plus. Non. Quand il n'y aura plus d'ennemis à combattre. Ils révéleront leur vraie nature. Mais oui. Les colons ne feront pas la guerre aux Iroquois. Non. Non. C'est pas dans pas en genre. Le monde est ainsi. Ah si, peut-être. La guerre viendra. J'aurais pu l'éviter. J'aurais pu tous vous sauver. Tu parles de les sauver, et pourtant tu les tuais. Ouais. Oui, car ils refusaient de m'écouter. Et toi, mon pauvre, tu te trompes. Non, mais si tu veux convaincre quelqu'un, essaye pas de le tuer. Enfin, ça me paraît logique, quoi.
Je sais pas. Y a pas un peu de route qui te manque en haut là? Ouais, bah ça je serais pas le dire, tu vois. Reste quoi qu'il n'y a pas de chien, y a pas de soucis, mais là j'ai un peu de soucis là pour ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ça bug totalement! Ok. Y'a l'autre qui est en train de se barrer là-bas, je comprends absolument rien! Voilà, je comprends rien à ce qui se passe, je me barre! J'ai pas enlevé cette foutue caméra. Voilà. Est-ce que vous pouvez me laisser juste un peu vivre? Laissez-moi vivre! Bon, technique numéro 12, cachage sur le toit. Sur un toit. Ouais, c'est là où je crois aller en fait. Voilà. Maintenant, essayez de venir me chercher, voilà. Un par un. S'il vous plaît. Ça serait sympa. Ah, pourtant, c'est Boogie Woogie. Le Boogie Woogie. Le Boogie Woogie. Quoi, le Boogie Woogie. Bon, ok, faut venir vous chercher, c'est ça? Bon, tous les Indiens sont morts, ok. Ce côté-là, ça va. Et tac! Bon! Je me casse. Wouhou! Tenue de la mort qui tue! L'assassinat par surprise! Ça part des hauteurs, quoi, du coup. Et tac! Wouhou! Voilà. Bonjour, je me casse. Ah, une échelle. Bonjour. Ah non, pas d'échelle. Pas d'échelle pour moi, j'ai dit pas d'échelle. Arrête, connard. Non, pas du tout. C'est pas comme si j'essayais de vivre, connard. Bordel. Cachage sur le toit. Oh yeah. J'aimerais bien que ma vie remonte un peu, s'il vous plaît. Voilà, remonte un petit peu. Voilà, voilà. Boogie Woogie. Boogie Woogie. Le quoi, Boogie Woogie. Boogie Woogie. Le quoi, l'assassinat surprise. Et je me casse. Je suis trop une pute. Et j'aime ça. Oh, yeah. Ah oui, touche-moi! Touche-moi, le trou fainéant! Ah oui! J'adorais ça! Ok. Et... paf! Deux coups en un! Bon. Ta gueule. Ah putain! Attends! Pause, stop! Pause! J'ai ma hache! C'est qui est ma hache? Ouais, ma hache. Ah, ma hache! Je l'avais oublié, toi! Aïe, merde. Ta gueule! Merde. Bon, ok. Ok, raté. Ta gueule! Mais merde. Bon, vous faites chier, je me casse. Voilà, je me casse. Ok, il était resté là, au cas où je vois le truc. Il s'est dit, ouais, je protège le coffre, je vais pas mourir. Voilà, on va essayer de vivre un peu, hein. Quoi? Mais même derrière le truc, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Est-ce que je peux prendre juste un peu de vie en fait, s'il vous plaît? Je demande pas grand chose, hein, juste un peu de vie! Bah, juste un tout petit peu de vie, tu vois? Hein? N'est-ce que je ne pourrais pas avoir mon. Attends, c'est pas ça? Ici. Oh, j'ai un sifflet à cheval, je savais même pas! Voilà, d'accord, le chien, pao!
qu'on le dise. Je sais même plus qu'on l'utilise. La 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 la. Je sais même plus comment on l'utilise. Oh, po 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 po. Aïe aïe aïe, ça fait tomber ça. Et ça fait bobo. Ça fait bobo. De tomber de si haut bobo. Ah ah, cachage même pas dans la brume et tout. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Ok, bon. Non, si je peux pas me barrer en fait, de base. Je sais pas, j'imagine, est-ce que je peux me barrer en fait? Parce qu'au pire, on s'en fout des mecs en fait. Non, mais des fois, je pense à des trucs assez insolites, hein, j'imagine bien, mais. Mais si je me barrais juste, en fait. Mais casser le cul à tuer tout le monde. Pau! J'adore faire ça. J'adore faire ça. J'ai fini la mission en faisant ça. Oui! Alléluia! Bref. Putain, j'ai passé combien de temps à faire ça? 16 minutes à faire ça, quoi. Oui, ça aurait été long. Oui, je ne couperai pas. Je m'en fous. Je suis un Yoda, moi. Bref. M'en fous, j'avais ma hache. J'ai un peu oublié ma hache, mais j'avais ma hache. Emportant avec lui, William est mort. Le plan non. des Templiers visant à voler les terres de mon peuple. Mais en éliminant cette menace, j'en ai découvert une autre. Oh. Il détenait une lettre ordonnant à John Pitcairn de trouver et de détruire les armes et les vivres des patriotes. C'est pas très très bien. S'il parvient, la résistance des colons s'effondrera et les Templiers s'empareront du pouvoir. C'est pas très très bien. Le danger subsistera. Je voulais boire, mais je crois que j'ai pas le temps. Lol. Est-ce que j'ai le temps? Le temps? Pas je temps, dois le temps. Trouver. Le temps. Oui, et le temps. Ouais, ôtez la vie, oui. Je pensais que j'y verrais plus clair, que j'en serais soulagé, mais je ne ressens que le remords. C'est une bonne chose. De tels sacrifices doivent peser sur l'âme. Je suis désolé, mais Ezio, il n'avait pas tant pas de remords que ça, hein, tuer tout le monde, hein. Souffrir. Oui, c'est au début. Connor, t'es une tapette, hein. De l'influence. T'es faible. Tu vas trop faible, quoi. Tous les tuer. Même ton père. Je sais. I know. Penses-tu le savoir? Ou le sais-tu vraiment? Les deux, mon capitaine. On a de la compagnie. Intéressant, t'es pas voir. Marc ici. Yes? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est un appel à l'aide de Paul Revere. Je sais pas qui c'est. Le rouge prépare quelque chose à Boston. Boston, comme par hasard. Tu vas faire forte impression sur les fils de la liberté. Ils me prennent à tort pour l'un des leurs. Oh, comment il est casse. Dites à M. Revere qu'il a ma sympathie, mais que je ne peux l'aider en ce moment. Sache une chose avant de refuser. J'ai lu le nom de John Pitcairn. Ou de Jerry. Ah, d'un coup, ça t'intéresse, hein. Si vous voulez, je... Non, j'y vais tout seul. Bon, par contre, je prends un petit détour, hein. Je vais voir mon bateau. Oui, parce que un truc important, c'est que on m'a dit en fait que la mission était pas forcément, était pas du tout terminée avec le truc, les trucs des babioles. Et je suis du connement le truc, alors je dois aller là. Et en fait, je dois aller sur le bateau. Ah oui, si on peut faire un voyage rapide là-dessus. Ah, je suis con. Ah, je suis con. Bref, c'est pas grave. Donc, on va faire une mission avec le bateau. Oh yeah! Le petit rototo! Vous l'avez pas entendu, j'espère. De ce vous l'entendrez pas. Oh. Ah oui, aussi on peut. Aussi améliorer le bateau. Qui peut être pas mal. Mais oh, c'est cher ça. Oh, canon supplémentaire, par contre, c'est cool ça. Boulet rouge, ouais, ça c'est trop cher, trop cher, trop cher. Mon dieu, ça c'est quoi, Gwen Imery? On peut juste acheter les canons supplémentaires. Ouais, je confirme. C'est pas mal. Tumbleham, okay, si tu veux. Canons supplémentaires, c'est fait? Ok, bon, bah, on verra le retour plus tard, plus tard, quoi. Là, on va juste interagir. Normalement, il y a une mission.
Pas du tout. 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 Vous me faites chier, hein. C'est quoi ça? Un fauteuil fabricant pour récupérer. Ah, d'accord, c'est ça la mission. Ok, bah allons-y. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? C'est Fort Wicot. Oh putain, jamais fait cette mission. Ces missions-là, je les ai jamais faites. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas comment ça va se passer. Et ça, c'est cool. Putain, on est dans le Fort Boyard, gros. Ok, je me tais. Il est même bien garni. Ok. Je vais devoir attirer leur attention. Dès que je serai hors de vue, attendez 10 minutes, puis bombardez le fort. Je profiterai de la canonnade pour m'infiltrer derrière ces murs. Ok. Entendu. Ça me paraît un peu dangereux, mais vous savez ce que vous faites. Je doute qu'ils laissent des pirates comme Lucky Lem sortir de leur cellule. Alors, si ce parchemin existe, il est ici. Classe. Bon bah, allons-y. C'est des assassinats de corniche. Je ne connaissais pas ce terme-là. Formez les rangs. Présentez armes. Première position. 69. Non, c'est ça. Seconde position. Il répétait Kamasutra. Mon Dieu. C'est l'armée du Kamasutra. L'armée rouge. Ils vont me défoncer le cul. Et ça va rester comme ça. Ouais, j'avais aucun suite en fait. Allez hop. Le point de vue était génial, on a tout vu, c'était beau. Un set de corniche, ok, pas de soucis. Oh putain la vache! Pour éviter la cour. Tu m'étonnes! Oh! Le crochet! Une ouais, un rat qui défonce une... Oui, bah oui, tout à fait. Attends. J'ai pas mis ça en... Attends. Je l'ai mis nulle part. Non mais oh. Au moins quoi. Putain, je veux ça. Après ça, terminé, je ne rempile plus. Je lui dirai droit dans les yeux. Monsieur, je rentre chez moi. Assez de cette mission qui n'arrive à rien. Ta gueule! Mais d'où je suis repéré? Je décapite le mec! Pute! Voilà, juste pute, voilà. Pute. Ce sont les seuls qui viennent jusqu'ici. Quelle perte de temps. Traverser l'océan pour monter la garde sur une île perdue. Après ça, terminé. Non mais tu mais monsieur, ta gueule. Et pourquoi tu peux pas pourquoi la chaîne pas où ça marche pas. Bon, on va faire un... OK, si tu bah déjà 4 si mais pour bon. Je t'ai dit ça c'est 4 monsieur. Voilà. Et là, eh ben je veux ça. Voilà. Traverser l'océan pour monter la garde sur une île perdue. Après ça, terminé, je ne rempile plus. Conférer le capitaine. Ça fait mal, hein. En fait, c'est trop cool l'arc, quoi. Attends, je suis où? Ok. T'as fouillé un peu, s'il te plaît. Je sais pas, 10, ouais. Des cartouches, ouais, je sais pas si j'ai de pistolet. Je sais pas. Bon, exceptionnellement, on va utiliser le Tomahawk, voilà. Parce que, voilà. Puis maintenant, lâche. lâche. Qui aurait l'idée d'attaquer ce fort? Personne. Ben, moi. Si on nous envoyait ici, c'est parce que le capitaine a fait une bourde. Quelle bourde? J'en ai aucune idée. Il a encore dû se couvrir de honte. Allez, oublie ça, et ouvre l'œil. Ouais. Où je suis, je ne sais pas.
Ok, il y a trois mecs ici. Vas-y, viens. Attends, si je pouvais tirer au milieu des trucs là, de bois là, c'est tellement pratique. Est-ce que tu me tueras du regard, toi, par hasard? Bizarrement, on voit mieux comme ça. Bon. Descends, tu vas y avoir trois. Il fixe le regard, c'est pas possible de. Il fixe le regard, je peux même pas essayer de surprendre. Ta gueule, voilà. Ouais, mais non, mais non, mais non, quoi. Le truc, c'est que dès qu'il me repère une fois, en fait, il me suit du regard. Enfin, il me suit, veut du regard, tout le monde. Du coup, c'est impossible à me cacher après, quoi. Je peux pas juste me cacher, quoi. Et du coup, bah, c'est chiant. Voilà, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. On se barre ici. Tu connais la décapitation? Maintenant, oui! Oh, une corniche. Oh, il y avait une corniche aussi. Ta gueule. Mais d'où tu me repères? Mais tu fais rien! Connard. Sérieusement, quoi. Déjà que c'est noir, je suis sûr qu'on n'y voit rien sur YouTube. De base. Vous me direz si vous voyez quelque chose, quoi. Parce que bon, c'est pas... Voilà quoi. Ne vous faites pas repérer, mais sérieux quoi. Est-ce que tu peux bouger, monsieur? Est-ce que tu bouges, monsieur? Que j'aurais pas quelque chose pour toi, genre, je sais pas moi. J'ai pas de fumigène, évidemment. J'ai pas de poison, j'ai pas de mine. J'ai un collet, tu veux pas un collet, non? Oh, je peux lancer de l'argent. Tu n'as rien à faire là-haut. Descends tout de suite. C'est à... Je clique en fait, c'est pour attaquer, c'est pas pour sauter en fait. Tu expliques, connard. Tu expliques juste, hein. Je veux pas te contredire. Hein, mais... Et si je l'ai tué d'ici? Je dois rester appuyé, c'est débile. Bref, c'est bon, j'ai la flèche. Il y en a un qui serait là. Chier, j'en fous chier. Hein. Descends. Ta gueule. Juste ta gueule, quoi.